Je vous invite à regarder la forme générale de l'instrument, surtout la partie postérieure des touches, avec ici ces espaces entre les deux touches et cette forme un peu évasée qui est vaguement symétrique. En fait, elle n'est pas symétrique. D'abord, il n'y a pas toujours des écarts. Ici, un écart entre ces deux touches. Là, il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'ici, il y a des écarts larges et ici, pas? Pourquoi ça se resserre à droite? Pourquoi ça se resserre à gauche? Ce n'est pas pour la même raison. Ici, l'intervalle, enfin l'écart nécessaire entre deux tangentes successives pour produire un demi-ton est assez court. Une octave plus bas, il faudra un écart deux fois plus grand entre point de contact des tangentes pour faire un demi-ton. Une octave encore en dessous, quatre fois plus grand, huit fois plus grand. Donc, en fait, là où plusieurs tangentes jouent sur la même touche, sur la même corde, eh bien, on doit faire des écarts entre les points de contact des tangentes de plus en plus grands. C'est pour ça qu'on peut le faire que jusqu'ici, des groupes de 3, ici encore un groupe de 2, et à partir de là, on doit donner à chaque touche sa corde, ou sa paire de cordes, parce que tout va par paire. Donc la raison pour laquelle ça se resserre est différente à droite et à gauche. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'écart entre, pour faire un demi-ton, et ici parce qu'on doit renoncer, parce que ça prend trop de place, à avoir plusieurs touches qui jouent la même corde. Donc, l'impératif de gagner de la place se traduit de façon différente à droite et à gauche. Ici, ça se traduit par le fait de diminuer le nombre de cordes en groupant les touches autour de la même corde. Et ici, ça se traduit par le fait de renoncer à donner la même corde à plusieurs touches différentes.